Donc, bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Saint-Ignace vous informe. Évidemment, cette émission-là fait suite à l'Assemblée mensuelle du Conseil. La dernière s'est tenue le 6 mai dernier. Je suis bien sûr aussi en compagnie du maire de Saint-Ignace, M. Barthe. Bienvenue Merci beaucoup. à ce résumé mensuel de l'Assemblée du Conseil. Donc, ça a eu lieu il y a quelques jours. Plusieurs points, c'est quand même une assez grosse On séance. avait du contenu. Il y a du contenu. On va laisser les petites choses normales là, de début d'assemblée. Je sais qu'il y a eu de quoi par rapport à votre bibliothèque, si on débute par là. Oui, mais c'est ça. Il va y avoir l'Assemblée générale annuelle qui va se tenir aux portes d'abord ici. On a passé une résolution pour autoriser cinq personnes, dont la représentante de la municipalité, qui est Mme Ross, à assister à l'Assemblée annuelle. Puis on va défrayer les Dans le coûts fond, que c'est ça le va coûter. regroupement des C'est bibliothèques et ça. c'est Puis c'est leur votre Assemblée annuelle. assemblée. OK. On parle aussi de compensation à M. Jules Bergeron. Mais ça, c'est parce que c'est quand on fait les vidanges de fosses septiques, M. Bergeron, il accepte que je vous dirais, le gros tanker qui vient s'installer sur son OK. terrain. Puis il endure ça pendant quand même, je pense, une semaine, sinon plus. C'est sûr et certain bien, qu'il y a des odeurs probablement nous y remontent. Fait que nous autres, pour le compenser, on lui donne un montant d'argent pour le remercier que le camion puisse rester sur son Dans terrain. le fond, ça rend service à tout le monde aussi. Et C'est voilà. Ah. le fait que ce camion-là puisse être situé à cet endroit chez le monsieur en question. Vous avez aussi formulé une demande au député de Berthier, là, M. Villeneuve, puis je vois que ça a un rapport avec l'âge d'or chez vous. Oui, c'est parce que l'âge d'or demande tout le temps un don aux députés. Puis l'âge d'or, vu qu'ils n'ont pas de charte à Saint-Ignace, l'âge d'or, bien, les députés, ils ne donnent pas. Ils passent par la municipalité. Nous autres, on fait la demande au nom de l'âge d'or. Le député va nous envoyer un montant, que peu importe, mettons, s'il nous envoie 300 $, bien, nous autres, lui, il nous envoie 300 $, puis la municipalité fait un chèque de 300 $ Pour à l'âge d'or. le C'est ça. remettre à ce C'est moment-là. sûr et certain que l'argent, après ça, bien, ils ont envoyé leur lettre de remerciement aux C'est ça. députés. OK, c'est beau. Il y a, ben, ça aussi, c'est annuel. Chaque fin d'année, ben, il y a chaque municipalité qui a des offices municipaux d'habitation, L'habitation, des OMH, l'UMH. comme on dit. Donc, il y en a un à Saint-Ignace, il y a un rapport à la fin d'année. Dans le fond, vous voyez C'est les ça. chiffres Oui, bien, de. c'est ça. On voit les chiffres. Puis sur le déficit qu'il y a, la municipalité, on paye tout le temps. Je pense que sur le déficit, on paye Oui. 10 %. Qui représente un montant de 8 000 $, mais par contre, il faut tout le temps le dire, c'est que l'Office, il paye des taxes à Saint-Ignace. Quand on regarde le montant de taxes qu'il paye, puis que nous autres, ce qu'on paye, ça revient. Ça ne nous coûte pas vraiment bien beaucoup. Ouais, c'est un mécanisme, évidemment, ces offices-là là, hébergent ces maisons-là, hébergent des personnes âgées ou Ben, je chez vous, pourrais vous c'est dire, âgé ou familial aussi, ça dépend. là, je pense qu'il y a un logement pour deux. OK. Les autres, je pense que c'est tous des logements pour un, mais écoutez, ils peuvent être deux probablement Bon, oui. aussi. Mais c'est surtout pour aider ceux qui. Vous savez, l'Office d'habitation municipal du Municipal, c'est Québec, ça? leur loyer, c'est vraiment minime parce que C'est périodique, c'est des loyers c'est ça, c'est périodiques. 25 % de tes revenus. Ça veut dire que la personne qui a un petit revenu, bien, elle paye rien que C'est 25 % de ça. loyer. C'est sûr, certain, si tu as plus, tu fais plus d'argent, tu vas payer plus cher que l'autre. Mais c'est fait. Puis je trouve que c'est correct, c'est très bien fait Oui, ça pour existe aider les depuis gens. Ah, plusieurs années. Je pense plusieurs que c'est années. apprécié à ce niveau-là. Il y a un point, bon, c'est sûrement technique. Transfert de compte là, cellulaire TELUS, puis accorder un remboursement. Bien, Fait que c'est c'est. parce que c'est nos deux employés. On a deux téléphones. Bien, on a un téléphone qu'on avait pour la municipalité. Puis l'autre employé, c'est à son téléphone personnel. Fait que souvent, ce soit que la municipalité les appelle, on sait souvent, puis eux autres, ils appellent souvent pour ça fait des prises, puis des pièces, ainsi de suite. Fait que là, la municipalité, on a transféré le téléphone au nom de l'employé. Puis aussi, c'est parce que eux, quand ils font des téléphones personnels, bien, si c'est sur le compte de la municipalité, dans le fond, on ne devrait pas payer. C'est ça. Fait que pour régler le problème, c'est qu'on a transféré le téléphone au nom de notre employé. Fait que au lieu de ça, fait que lui, il pourra faire les appels qu'il veut. Puis la municipalité, vu que nous autres, notre forfait coûtait 45 $ par mois, fait que là, on va donner 45 $ par mois à chacun pour se servir de leur téléphone personnel. OK.
on inverse un petit peu le processus voilà. pour que ça soit plus clair. Non, mais aussi, c'est une bonne affaire parce que des fois, ils peuvent faire des longues distances, puis si ça leur coûte plus cher leur forfait, bien, ils paieront la différence qu'ils avaient dit. C'est mieux de même pour tout le monde. Oui, je pense. On parle d'un offre de service pour Nordico pour 3 ans, 2014, 2015, 2016. Premièrement, c'est quoi l'offre de service? Puis... L'offre de service, ça concerne pour nos bonnes fontaines et toutes nos... les valves. OK, fait que ça quand ils viennent faire les tests des bonnes fontaines, puis ils vérifient toutes les valves, voir si tout est correct. Puis quand il y a des bonnes fontaines qui sont défectueuses, ils nous font rapport. C'est soit eux qui les rapportent, ou bien non, c'est notre employé qui les rapporte. Même à tous les ans. Puis là, c'est un contrat d'environ 3 700 par année. Puis ça prend une augmentation à comparer à l'autre. C'est à peu près 200-300 pièces de plus qu'ils nous chargent pour les 3 années. Fait que, okay. Je pense que, puis on a quand même un très, très bon service avec un Nordico. On tient à continuer avec la même firme. Fait que là, c'est comme, pas c'est comme, mais c'est réglé là, pour jusqu'à la fin 2016. C'est ça. Fait que c'est réglé pour un bout à ce niveau-là, un dossier de... C'est un petit dossier, mais il est réglé. Un petit dossier, mais il faut que ça marche, les bonnes fontaines, puis tout ça. Faut, oui, il faut que ça soit entretenu régulièrement toutes les ans. En bon état. Je passe au site technique. On parle de dépôt des états, des revenus et des dépenses. Janvier 2014 à mars, fait que donc c'est janvier, février, mars. C'est un dépôt, c'est rien qu'un dépôt que le directeur général a fait, parce qu'on est obligé de faire des dépôts des revenus et des dépenses deux fois par année. Fait que c'est plus... Il n'y a pas de lieu de journée, c'est rien qu'un dépôt. C'est ça, les gens qui veulent suivre, à ce moment-là, peuvent voir ces chiffres-là. Évidemment, Saint-Ignace... chaque été, en tout cas depuis, j'imagine, là. Il y a un camp de jour à Saint-Ignace et voilà. Il y avait un point, évidemment, ça prend des jeunes, s'occuper des jeunes. Ça prend des monitrices. Donc, il y avait des monitrices. Il y a eu l'embauche de 2 monitrices. Là, pour oui, parce qu'on avait nos 2 monitrices. Ça faisait quand même 3-4 ans qu'ils étaient là. Et cette année, ils ne reviennent pas parce qu'ils, j'imagine, soit qu'ils aient fini leur école ou bien non, ils se sont trouvés d'autres emplois mieux rémunérés. Fait qu'on avait formé un comité. Et pour agir, puis on a eu 7, il y avait 7 ou 8 dépôts. Fait qu'ils ont passé les jeunes en entrevue, puis le comité a décidé. Puis les deux, ceux qui ont été choisis, il y a eu Frédéric Desjardins, puis mademoiselle Frédéric Latteau. C'est les deux. Mais moi, pour avoir parlé avec le comité après, parce que moi, je m'étais retiré de toute décision, parce qu'une de mes nièces faisait partie de ceux qui avaient appliqué sur le show. Après avoir parlé avec eux autres, ils ont dit qu'ils ont trouvé ça, mettons, puis ils ont trouvé des jeunes là, très, très bons dans notre vue. Même il y a un de des conseillers qui était sur le comité, il a dit qu'il aurait pu les prendre tous les 7, mais il fallait les démarquer. Il faut faire un choix à un moment donné. C'est, parce qu'il y avait bien des... Bien, disons qu'il tenait pas juste de compte dans le cas qu'il étudiait. Okay. C'est sûr que ça avait quand même un point si la jeune allait étudier dans ce domaine-là. Avec un avantage, mais il y a eu d'autres critères aussi. Là. Donc, ça aussi, c'est pour se préparer pour l'été. Fait que ça, on parle probablement après, quand l'école finit. Oui, puis là, comme qu'on a fait, la demande à Desjardins pour avoir 2 aides-monitrices. OK. Puis on attend que les jeunes d'être déposés. Puis ça, c'est des premiers emplois. Premier emploi. Puis ça, c'est Desjardins qui passe les entrevues toutes. Puis c'est lui qui va nous dire. Avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Les jeunes s'inscrivent, c'est sûrement déjà fait, là, s'inscrivent au Carrefour. Ceux qui n'ont pas d'expérience de travail, c'est pour découvrir... Il faut que ce soit absolument un premier emploi. C'est ça. Donc, c'est une belle expérience. Ah, c'est des... Puis Desjardins payent la moitié du salaire de chaque. Fait que ça veut dire que la municipalité, au bout de la ligne, paye des... C'est comme si Desjardins payait un, puis c'est la municipalité, on payait l'autre. Fait que ça fait une équipe... Ça l'est. Ben oui. Vous y allez avec quatre jeunes qui s'occupent des plus jeunes. Là, puis, ben surtout quand on a 2 monitrices, mais là, on est rendu qu'on a tout le temps entre 45 et 50 jeunes à tous les étés. Ouais. Pour deux, c'est beaucoup. Puis vous savez, les jeunes, ça bouge. Non, je trouve que c'est une bonne chose. Puis on espère que les camps de jour qui vont continuer encore beaucoup d'années. Le maire va sûrement leur rendre visite. À tous les ans, je vais les rendre visite au début, puis souvent, je vais faire un tour là, à peu près dans le milieu de l'été. Puis après ça, vers la fin, là, je vais les rencontrer. Ils font-tu jouer une coupe de jeu? On les regarde. OK. Un dossier qu'on parle un peu partout dans toutes les municipalités, c'est le projet de l'éoduc Trans-Canada, surtout, à un moment donné, là.
comme on dit, le tuyau, il faut qu'il passe à quelque part, là, mais c'est ça. Oui, faut qu'il passe à la place qui est la moins pire, probablement. Et voilà, fait que vous en avez parlé, vous autres aussi. Bien, c'est parce que l'honoré, tout le monde... Ça, l'honoré nous a envoyé une résolution qui nous demandait un appui. À l'Assemblée, on a passé la résolution comme quoi qu'on appuyait l'honoré, parce que l'honoré demande à ce que le Léoduc passe en dehors de... C'est sûr que l'honoré, eux autres, ils demandent qu'ils passent en dehors de leur territoire. Et Trans-Canada va-tu accepter en dehors du territoire? Ça, j'en douterais peut-être un peu, mais c'est parce que nous autres, ce qu'on dit... À l'heure actuelle, le trajet, c'est qu'il passe directement en plein centre des tourbières. Mais vous savez, des tourbières, ça fait je ne sais pas combien d'années que tout le monde cherche à les protéger. Puis les autres, ils vont arriver, puis ils vont passer en plein centre. Puis ça, je me souviens, quand j'étais à Level 3 à rencontre avec Trans-Canada, était là me donner des informations, je leur avais posé la question, pourquoi est-ce que vous n'en allez pas sur le côté nord de l'autoroute au lieu de passer dans les tourbières? Le monsieur, l'ingénieur qui était là, il nous a répondu comme quoi que... Et c'est des coups de plus. Bien, ça, je lui ai répondu, écoutez, ça, c'est pas notre problème à nous autres. C'est votre problème à vous autres. Puis c'est pas pour une couple de milliers, de 1 000 piastres de plus que vous allez arrêter votre projet. Là. Oui. Non, c'est un gros dossier. Ça fait c'est un gros parler, dossier, puis il n'est pas fini. Il est pas fini là. Surtout l'écosystème des tourbières, puis tout ça, c'est... Ah, puis les garanties aussi, s'il arrive une catastrophe, comment vous allez réagir, là? Il faut protéger tout. Là. Ça peut être n'importe où. Le problème, si une catastrophe, ça peut toucher, mais ça peut toucher. Les tourbières, là, tu viens de faire mal à un milieu très fragile. Il faut dire, ils passent en dessous des rivières, ils passent en dessous du fleuve. Mm. Vous savez, s'il arrive quelque chose, il va passer beaucoup de choses dedans, un million. Parce que ce qui est intéressant dans ce dossier-là à suivre, c'est qu'évidemment, il y a des problématiques comme la tourbière, mais aussi chaque municipalité où ça passe, c'est son questionnement. C'est son questionnement. Même ici, Berthier, je pense qu'ils ont rencontré Trans-Canada parce que je ne peux pas vous dire exactement le problème qu'il y avait, mais... Un, entre autres, c'est parce que la ville vise un développement commercial au nord de l'autoroute, et puis où il y a le Harvey's, puis le Subway, tout ça. Et si le tuyau passe à la mauvaise place, je pense que c'est 30 mètres ou 30... Ah, ils prennent des chaque côté 30 mètres. Où il ne peut rien se construire. Donc, en plein milieu du développement, ça le rendrait inopérable, un développement commercial avec ça. Là. Donc, ça se travaille à chaque municipalité. Donc, c'est vu là-dessus, mais je pense que c'est un projet à suivre. Il y a un autre gros point, le point suivant, tantôt on en a parlé avant d'entrer en onde, mais ça aussi, ça se travaillait depuis un petit bout de temps. Il y a une entente au niveau intermunicipal relative à l'alimentation en eau potable. Ah oui, ça, c'est, je peux vous dire, ça dure depuis juin 2013, quand on a reçu la facture de la ville comme quoi que c'est comme si on leur devait en eau potable un montant de 179 000 $100. On a commencé à entamer. On a rencontré la ville, on l'a demandé, on voulait savoir tout le pourquoi. Fait qu'elle nous a expliqué, puis nous autres, moi, puis même la paroisse de Sainte-Geneviève, on avait dit que non, c'est pas de notre erreur à nous autres. Puis aujourd'hui encore, je l'ai dit, c'est pas notre erreur à nous. Et nous, on a facturé les citoyens de Saint-Ignace au montant que la ville nous a donné. C'est eux autres qui administrent l'usine de filtration. Puis là, ils nous arrivent avec une facture de 179 000. Fait que là, on s'est assis, on a négocié, puis on en a sorti. Bien, on a eu un règlement d'entente la semaine passée, je crois. Puis là, pour Saint-Ignace, sa part qu'il va payer, ça va être 129 000 $. On paye 2013, le montant de 2013 sans intérêt. Puis on paye le montant de 2012, mais à 50% puis sans intérêt. Okay. On a accepté de payer 50% de 2012. On aurait pu le refuser, mais le montant que ça donnait à Saint-Ignace, c'est à peu près 30 000, 30 quelques mille. Je me suis dit, je suis mieux de le donner à la ville que de le donner à un avocat si on refuse, puisqu'on est obligé d'aller... Quand vous dites 50%, c'est 50% du montant qu'il nous demandait pour 2012. Du montant demandé, c'est ça, ouais. À ce moment-là. Oui, c'est sûr. Si on y va avec des batailles juridiques et tout ça, on mange le montant comme ça. Je vais ramener probablement le montant au complet. Et là, j'imagine que la méthodologie de calcul et tout ça, là, tout le monde est sur la même base pour l'avenir. Bien là, il y a une entente aussi qui était... Parce que la Ville avait fait une chose dans la commission. Le commissaire était là, fait que là, on a décidé. Là, le comité qui était là pour l'eau, pour l'usine de filtration, il va...
il va repartir. Fait qu'on va avoir 3 rencontres par année, une en octobre, avril, puis entre avril et octobre, on va en avoir une parce que moi, je tiens absolument à vérifier le budget de l'usine, si tout est conforme, si tout va bien, si on ne dépasse pas trop les coûts. Puis aussi, ce que j'ai demandé à la ville, là, ce que je demande aussi, ce que je vais demander aussi à la ville, puis d'ailleurs, la ville le sait, la mairesse, j'ai parlé avec Mme Nantel, c'est qu'au mois d'octobre, là, ils sont capables de nous dire le prix de l'eau qu'on devrait payer à plus ou moins 2-3 cents. Mm-hmm. Parce que voyez-vous, l'année passée, ils nous avaient dit une pièce 86, puis là, cette année, quand ils ont eu le dépôt du comptable, ils nous ont monté ça à 2 pièces et 7. On parle de 21 cents de différence. Mais moi, là, les gens de Saint-Ignace ne sont pas taxés sur ça, là. Puis là, comme là, j'ai fait passer dans notre coin de neuf, comme quoi que le surplus d'eau pour 2014, il va être à 2 pièces et 7, et non pas à 1 pièce et 6 comme avant, là. C'est le double, là. Oh, oui, c'est pour ça que je dis on va être capable, parce que quand même, il y a 10 mois de passé dans l'année, il en reste 2, on peut faire une moyenne, puis dire, bon, OK, l'eau, l'année prochaine, devrait vous coûter, puis ils vont savoir à peu près combien qu'ils vont en avoir, l'usine va avoir produit d'eau. Parce que le calcul de l'année prochaine est fait quand l'année finit ou à peu c'est près. C'est ça, oui, mais c'est parce ce que ça a coûté, c'est ça qu'on cherche. C'est ce que vous avez 10 mois. C'est ça. Le début mètre, il vous donne les 10 premiers mois. Il en reste 2. On peut prendre les 10 mois, faire une moyenne, puis les rajouter aux 2 autres mois. C'est ce calcul-là qui, dans le fond, qui donne le prix pour l'année suivante. C'est ça. Mais là, je suis bien content, c'est réglé. C'est ça qui est mis dans les taxes, dans le fond. C'est ça. Ça change. C'est le montant que moi, que Saint-Ignace, le même Geneviève, va charger aux citoyens. OK, c'est beau. Fait que c'est un gros dossier, fait qu'une entente, c'est... Une entente, c'est... Ah, bien là, je peux vous dire, c'est plus qu'une entente, c'est réglé. Ça, là, c'est notre résolution est passée comme quoi qu'on accepte de payer le montant que l'entente de principe a donné. Parfait. Un point aussi qui revient souvent, là, évidemment, il y a des soumissions qui sont demandées probablement à chaque année, là, pour le lignage des rues. Oui, parce qu'à Saint-Ignace, on fait ça tous les 2 ans, mais on a séparé l'île en 2. Comme là, cette année, ça va être à l'ouest de 158. Okay. On va tout faire les lignes de rue, puis on va tout faire partout dans l'île pour les stops, une ligne blanche pour les stops, puis on va faire tout le tour de, comme Saint-Michel, tout le tour de l'île, Saint-Isidore, Sainte-Marie-Saint-Michel. On va faire des pictogrammes de Bessic. OK. Mettons un à tous les kilomètres, puis sur le retour, ça va être à peu près au centre des autres pour que ça c'est pour faire penser aux automobilistes que les routes se partagent. C'est ça. Ils pourraient avoir des cyclistes puis de faire attention. C'est bon. On parle de modifier le règlement relatif au stationnement. Ah, ça, c'est un règlement qu'on avait. Il y a 3-4 articles qui vont changer un peu. C'est parce que la Sûreté du Québec. Ils veulent que tous les règlements de toutes les municipalités soient harmonisés, qu'ils soient pareils. Okay. Fait qu'on avait 3-4. Puis on avait 2-3 articles à modifier, puis ils en ont rajouté 2. Fait que nous autres, on a tout rajouté ça. Pour que ça soit modification. Égal au niveau, puis que c'est les mêmes policiers qui passent de Saint-Ignace à Sainte-Geneviève, etc. Le règlement va être partout dans les MRC d'autres pareils. On parle d'une demande de soumission à enseigne aux 80, mais ça, c'est pour le parc Grand-Mort. Oui, on a un parc de Grand-Mort, puis tranquillement, on va commencer à l'aménager, puis à faire un petit parcours là-dessus. Fait que là, on a fait faire une pancarte pour le parc. En même temps, ça va être... Bien, on l'appelle le parc de la Grand-Mort, parce que nous, à Saint-Fiès, on l'a tout le temps appelé la Grand-Mort. Okay. Donc, on a décidé de garder le même nom, qui va s'appeler le parc de la Grand-Mort. Puis en dessous, bien, ça va être un design de l'île avec d'où est la piste cyclable. Okay. Puis où sont toutes les choses que le comité culturel a faites. Comme il va en avoir chez des affaires de rang de chambre. Après ça, il a toute l'histoire de Saint-Ignace à différentes places. Ça va être aménagé éventuellement. On parle d'une demande d'appui pour le maintien du PAD, de PADS et du créneau. Mais ça, c'est un petit peu... C'est l'ACRE qui demande ça. Bien, c'est l'ACRE, puis c'est surtout que le créneau qui le demande. Puis l'ACRE aussi, quand j'ai assisté à l'Assemblée au CA de l'ACRE, c'est parce que pour le bioalimentaire, ils ont des subventions pour les aider. Puis là, il y avait une chose qui s'est faite, il y avait une étude, puis l'étude a été positive. Même, je vous dirais presque, un petit peu, peut-être pas négative,
Mais c'est parce qu'ils sont sur le point de perdre de ce qu'il y avait. Okay. Fait que nous autres, on demande au gouvernement de redonner ces argent-là parce que ces petits PME-là, ils ont beaucoup de besoins. Mm. Puis le bioalimentaire dans la MRC d'Autry, il va bien, mais il ne faut pas les lâcher non plus. Les laisser. Gazon Halte Hôtelier, enfin, j'imagine que c'est pour l'été, ça aussi. Hein? Oui, ça, c'est la Halte Hôtelier qui est sur le rang Sainte-Marie. Au lieu d'aller là-bas, nous autres même avec notre traiteur, on a M. Gertin qui fait justement ça, des gazons. C'est sa petite compagnie à lui, il faut que c'est lui qui y va. Puis il nous charge 35$ à tout coup qui y va. Pour les tontes. Et voilà. Mandaté Danton Rayville, c'est une firme d'avocats pour une vente de taxes. Fait que c'est pour la vente de taxes, mais pas à la MRC. Ça va être plus. Peut-être que ça se fait à la MRC, mais ça va être plus par le shérif. Parce que le bâtiment qu'on parle, c'est que c'est une roulotte qui est sur un terrain, mais le fond de terrain n'est pas à la personne qui appartient à la roulotte. Fait que, puis le fond de terrain, bien, les taxes sont payées. Donc, il faut passer par l'avocat. C'est ce que vous dites, ça va coûter. Vous direz, en avocat, on va manger le montant des taxes. Toujours comme ça. Mais on n'a pas le choix. Il faut procéder. On parle de mettre de la roche, j'imagine, sur le terrain de stationnement de la rampe de mise à l'eau, puis le terrain de l'assainissement. Ça, c'est pour aller mettre de la roche parce qu'il commence à rentrer probablement. Pour avoir... Un bon ménage de printemps. Et voilà, c'est ça. Ça va faire du bien, puis tout le monde est heureux. Dernier point, je pense, un dernier point intéressant. Maude Cournoyer, Valois, qui est une jeune de chez vous, qui a remporté un prix de la relève en or. Je ne pourrais pas vous dire directement c'est quoi quand. Dans quel. Même, c'est qu'elle a remporté un prix. Moi, je dis, tandis à cette heure, c'est fiasse, quand on a des jeunes ou moins jeunes, peu importe, quand on est citoyen qui participe, qui est dans quelque chose, puis qui remporte un prix, puis qu'on est au courant, ça nous fait plaisir d'envoyer une résolution de félicitations. C'est pas grand-chose, mais ça encourage la personne. On nous reste à peu près quelques secondes. Je sais qu'il y a eu une demande ou des demandes de dons, peut-être. Les dons, mais on a eu les malades qui ont demandé leurs dons, qu'on avait budgété à 100$, ou aussi la FEHAUS, on avait budgété 100$, on a donné 100$. Puis pour le VARIA, on a pris notre abonnement dans le ZIP, la zone d'interprétation du lac Saint-Pierre. Oui. C'est 40$, qu'on s'est remis dedans parce qu'on a un représentant qui est là. On a aussi nos banquettes qui ont parti à la dérive. Il y a un monsieur qui a été cherché, fait qu'il nous a demandé une compensation parce que ça lui a pris 5 heures à remonter toutes les banquettes. C'est sûr que dans le courant et tout. Fait qu'on a payé un montant. On a notre élément sur des roulottes. Il y a du monde qui a des roulottes dans le rang Sainte-Marie. Ils nous ont demandé d'être plus lourds, mais de changer le règlement, autrement dit, puis ils pouvaient mettre plus de roulottes sur leur terrain. Puis le conseil avait décidé qu'on gardait le règlement tel qu'il est. C'est deux roulettes par terrain, il ne faut pas que ça change. Puis aussi, c'est une demande parce qu'il y avait M. Valois, puis M. Cournoyer, M. Dubé. Du côté-là, il y avait un tuyau qui passait avec un regard, puis il était au centre du terrain. Ils nous ont demandé si on pouvait aller l'amener jusqu'en arrière dans le fossé. Fait que ça, c'était fait hier, fait que tout est réglé. Ils sont très contents. Puis... On va écouter un petit peu l'émission comme telle, parce qu'on a un autre invité qui vient de votre municipalité. On va parler des loisirs un petit peu avec Louis-Vincent. Ah oui, parce que vous savez, on est comité des loisirs. C'est ça qui est actif. Plein de choses, fait qu'on va y laisser quelques minutes après la pause pour nous parler justement des loisirs à Saint-Ignace. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon, vous regardez CTRB-TV. En complément à notre émission Saint-Ignace vous informe, on reçoit maintenant Louis-Vincent Barthes, qui, évidemment, est beaucoup impliqué au niveau des loisirs. Mais il y a un premier projet qui veut nous parler, qui est une exposition sur les marins. Je pense qu'il y a déjà eu lieu dans le passé, mais que tu reprends, là. Oui, en effet. Merci, Alain, de recevoir encore une fois pour un peu promouvoir les activités à Saint-Ignace. Oui, c'est l'année passée, j'avais présenté pour une première édition Saint-Ignace et ses marins en photo. J'avais au-delà de 800 photos d'exposés avec quelques artefacts. Et puis là, il y a beaucoup de gens dans la région, pas juste à Saint-Ignace, dans la grande région de Berthier, qui me demandaient si je refaisais mon exposition parce qu'il avait manqué. Il y en a qui pensaient
qui ne pensait pas qu'il y aurait une telle ampleur, puis là, qu'il était venu comme à la dernière minute, puis qu'il avait fait le tour vite, puis qu'il voudrait revenir, puis prendre plus le temps de visiter. Fait que là, ça m'a incité à reprendre l'exposition, puis de la représenter. Et puis, ça va être encore une fois au sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola, le 23 mai, de 10h le matin à 21h. Okay. Le 24 mai, le samedi, et le dimanche, le 25 mai, et les deux journées de 10h le matin à 18h. Okay. Et puis, j'invite les gens à venir en grand nombre. Je vais avoir quelques photos de plus à exposer. Fait que ça devrait donner 850 photos, plus quelques autres artefacts puis des surprises. Donc, c'est un beau survol là, au niveau marin par rapport à ce qui à la municipalité, à Saint-Ignace, puis évidemment au fleuve. Là. Puis aussi historique. Là. C'est ça. Dans un autre ordre, évidemment, vous faites partie du comité des loisirs et à Saint-Ignace, bien sûr. Et il se prépare des choses, notamment entre autres la Saint-Jean qui aura lieu chez vous à Saint-Ignace. Ça se déroule souvent là, dans les dernières années, mais... Vous préparez ça, cet événement-là encore. Hein? Oui, le 23 juin. C'est la journée, toute la journée du 23 juin. Ça commence le matin à 9h avec la messe en plein air au terrain des loisirs sur la rue de l'église, communément appelé au terrain de balle. Et puis ensuite, à 10h, ça va être le déjeuner fait vos lards. Et à 11h, là, on commence les activités. Là, il va y avoir des joutes de hockey-balle pour... Les jeunes adolescents, et puis aussi pour le mix. Puis on va installer des jeux de fer, puis des filets de volleyball, ceux qui veulent venir jouer, venir s'amuser avec nous. Ensuite, à 15h, on va avoir la roulotte à Paul Buissonneau. OK. Pièce de théâtre. Pièce de théâtre pour tous. Précisément aussi pour les tout-petits. Là, c'est ouvert, là, je pense que c'est 3-4 ans en montant. Et puis aussi durant la journée, là, dans le coin de midi, je crois qu'il va y avoir des ateliers pour les jeunes et moins jeunes. Et aussi, il peut y avoir un espace pour l'amateur. Là. Okay. Ça peut être de la musique, du théâtre, présenter un spectacle quelconque. Mais à 15h, c'est la pièce de théâtre. Ensuite, à 17h, c'est le traditionnel souper à la jubilate. Puis à 19h, là, on a un hommage au drapeau fait par les élèves de l'école primaire de Saint-Ignace. Saint-Ignace, OK. Et ça va être suivi du discours de la présidente des loisirs, le discours du maire, et il va y avoir un discours patriotique qui va être fait par Réal Chevrette. Et à 19h30, là, on entame la portion musique. Les spectacles, c'est le 19h30, Laurence Saint-Martin qui vient de Saint-Ignace avec son groupe de musique. Puis dans le coin de 21h30, ça va être Richard Pellant avec son groupe de musique, puis des musiciens de la grande région de Berthier. Et dans le coin de 22h30, là, entre la première partie et la deuxième partie du groupe de Richard Pellant, là, on va allumer le feu de joie. Feu de joie. C'est cela. Donc, on invite les gens à mettre ça à leur agenda. La date, on le sait, le 23-24 d'habitude de la Saint-Jean, c'est ça? C'est ça. Mais chez vous, c'est le 23, là, une grosse journée. Oui, une grosse journée spéculative. Fait qu'on invite tous les gens de Saint-Ignace, bien entendu, mais ceux de la région, ceux qui veulent venir fêter avec les insulaires, bien, vous êtes la bienvenue. Et c'est comme à chaque année, bien, c'est sûr que nous, on... les recettes, les profits vont pour les loisirs, puis ça nous permet de financer nos activités. Et c'est avec la vente de boissons alcoolisées, fait qu'on a notre service de bar. Donc, l'invitation est faite. Le temps passe vite. On va remercier les gens d'avoir écouté cette émission. Saint-Ignace vous informe. On vous invite à aller, évidemment, à la Saint-Jean à Saint-Ignace cette année. Et donc, on se revoit le mois prochain pour le prochain Saint-Ignace vous informe.